Mes projecteurs, bonjour, bonsoir. Depuis hier, il y a une image, il y a une petite vidéo de quelques secondes de Mwaminga qui fait le tour des réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle on voit Mwaminga avec l'ancien joueur international des Lions Indomptables, Achille Emana, sur un lit. On ne sait pas si ça prêtait pour Foum ou bien s'ils avaient déjà Foum. Certains nous font comprendre que l'image là, c'était la publicité qu'ils étaient en train de faire. J'ai vu ça depuis hier. Bon, j'ai dit, ah, Mwaminga veut tout faire pour qu'on parle d'elle. Mieux je reste tranquille. Mais ce qui me pousse à faire la vidéo aujourd'hui, c'est que Mwaminga ne fait que multiplier les sorties après cette vidéo. Mwaminga, ma sœur, qui se sent morveux, se mouche. J'ai écouté une vidéo, l'une de tes multiples sorties après cette vidéo-là, qui fait le tour de la toile. Tu nous fais comprendre que les gens veulent ta chute, les gens ne veulent pas de ton bien. On a envoyé la vidéo à tes proches, c'était pourquoi on s'est monté, t'es descendu. Ma sœur, sache que tu n'es plus Mwaminga de où c'est des Bolova. Hein. Tu es Mwaminga international, hein. Tout le monde entier te regarde. Nos jeunes sœurs qui sont sur les réseaux sociaux te regardent. Fais très attention. Je ne sais pas, même si c'était la publicité, c'est quelle entreprise qui accepte qu'une femme ne respecte pas sa dignité. Tu viens te verser sur Internet. Tu balances tous tes lolos dehors. Nu! Ce que tu as fait là, c'est différent de ce que Cynthia Fianga nous avait montré. En quoi? C'est différent avec quoi? Là, Mwaminga, quand tu penses, nous-mêmes, nous sommes les hommes, hein. Quand nous, on regarde ta vidéo où tu es nu comme tu es, les seins balas, papa, bla, tu penses que nous-mêmes, ça nous fait comment dans la tête? Tu nous mets mal à l'aise. Tu mets le monde mal à l'aise. Tes jeunes petites soeurs sont en train de te regarder. Tes jeunes soeurs sont derrière, sont sur Internet en train de te regarder. Tu dois être un modèle. Mais voilà ce que tu viens servir à la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu montres là comme exemple pour la jeune? Pour la jeune fille d'aujourd'hui, Mwaminga. On va voir quelle image de toi. Aïcha Kamoaz est venue nous citer les noms des gars qui t'ont touma en nous faisant comprendre que ta célébrité vient des multiples touma avec des gens, avec des autres célébrités aussi. Mais on a organisé tout un direct avec Raoul Christian Bia, où tu te défendais. Tu dis que non, tu es une fille fidèle. Tu as même fait une autre vidéo où tu dis que tu es fidèle, tu n'as qu'un seul gars. Et même dans ton direct là, tu disais toujours que non, tu es fidèle. C'est quel gars, quand tu prétends que tu es fidèle là, va accepter qu'on te voit, il y a combien de photos sur Internet, on te voit embrasser les positions, les posters catastrophiques. Nous ne sommes pas des enfants de 10 ans. Nous sommes tous des adultes. Est-ce que tu as déjà vu un jour un bandit? C'est-à-dire qu'il y a les bandits qu'on les prend la main dans le sac comme ça là. Il te dit qu'il ne vole pas. Il n'est pas en train de voler. C'est-à-dire que tu le trouves en flagrant délit. Il te dit que non, il ne vole pas. Ma soeur, tu ne peux pas nous dire que tu ne vends pas le piment. Pourtant, toutes tes images, il y a toutes les preuves que tu n'es qu'une vendeuse de piment. Ce que tu nous montres là, c'est le piment que tu vends. Tu as fait comment pour que cette image se retrouve sur la toile? C'est ton corps. Je suis parfaitement d'accord. Fais de ton corps ce que tu veux. Nous, on est toujours d'accord. Mais tu n'as pas le droit de balancer n'importe quoi sur la toile. Parce que les enfants sont en train de te regarder. Les enfants te suivent. Aujourd'hui, tu es une influenceuse et les gens te suivent. Les enfants t'écoutent. Les enfants suivent ton exemple. Tes jeunes petites soeurs sont derrière en train de te voir comme un modèle. Donc, c'est que tu fais comprendre à ces jeunes filles que pour être où tu es, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le message que tu passes à ces enfants. Ou à défaut, tu veux nous faire comprendre que, comme tu dis toujours que c'est pas Cabra Nandji qui t'a fabriqué, tu veux nous faire croire que même après le départ de Cabra Nandji, tu as toujours dit ça dans ta vidéo, que les gens s'attendaient que après le départ de Cabra Nandji, ton chemin s'arrête et tout devient sombre pour toi, mais les gens sont surpris de te voir toujours avancer. Mais tu avances
sur quelle base alors? De cette manière que tu dis que tu nous fais comprendre, tu avances. Non, Maminga, je suis désolé. Je suis désolé. Nous, on n'a plus besoin de voir ces images-là. Moi, on a un gouvernement tolérant. Hein. Tu viens nous balancer une image où on voit tes cinq machines, tu es au lit, en train de t'amuser avec un homme. Tu veux justifier quoi? Moi, le gouvernement t'attrape, je te fouette. Je ne te mets même pas en cellulaire. Je te fouette correctement. Pour que la prochaine fois, pour que tu laisses ce genre d'images, tu ne viens même pas te présenter les excuses en disant que c'est une erreur de manipulation comme ça, ça s'est retrouvé sur la toile. Tu te confirmes que tu es libre de faire ce que tu veux. Non, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de faire de ton corps ce que tu veux. Mais tu n'es pas libre de balancer n'importe quelle image sur la toile. Mais qu'est-ce qui vous montre dans la tête même finalement? Vous voulez rendre tous nos soeurs... Hein? Quoi? On a crié. On l'a eu, ça signe, ça fiancé, s'est calmé. Tu veux encore que le signe, ça fiancé, se lève encore? Ça, c'est quoi? Maminga, ça, c'est quoi? Tu vends le piment? Comment?